Les gars, vous avez bien lu le titre. Bijou et moi, on va aller manger les meilleurs beignes de la ville. Je dis pas meilleurs pour rien. Je pense que c'est vraiment les meilleurs beignes de la ville. C'est vraiment les meilleurs beignes de la ville. On est venu hier pour pouvoir les manger. On voulait faire la vidéo hier. Les beignes étaient en rupture de stock. On est venu 40 minutes avant la fermeture du magasin. Il n'y avait plus de beignes. Les beignes étaient finies. On est arrivé devant, il n'y avait pas de parking. Donc là, j'ai dit à Bijou de descendre et d'aller vite dans la file parce que la file était longue. Les gars, je vous dis, il y a peut-être 200... Pas, ok, j'abuse peut-être. Il y a peut-être 120 personnes dans la file là, actuellement là. Donc là j'ai dit à Bijou, Bijou descend, va dans la file et attends en attendant. Regardez tous les gens qu'il y a les gars. Regardez tous les gens qu'il y a. On va arriver demain, vous allez pouvoir mieux voir là. Mais en tout cas il y a des gens de fou hein. Je pense que c'est grâce à TikTok aussi parce que Bijou il les a découverts sur TikTok. Ils font beaucoup de TikTok, ils font beaucoup de posts sur Instagram et tout. Et Bijou, ça fait à peu près un mois qu'ils voulaient qu'on vienne. Et je faisais esquiver Bijou. Je lui dis Bijou plus tard, plus tard, plus tard. Hein? Il y a tellement de gens dans la file. Ouais. C'est pire qu'au buffet. Oh, c'est vraiment fou. Pour des beignes. Pour des beignes. Ça veut dire, yo, si c'est pas bon, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas bon, de bon. 40 minutes de moto. C'est pas bon. Que ça soit bon. En plus, on est venu hier aussi, les gars. Ah, ben, je leur ai dit là. Et ça fait à peu près un mois que tu me demandes de venir. Hein. Je t'ai dit, si mon gars de venir, toi, il m'a plus. Et aussi, son rupture de stock, je n'ai pas. Les beignes en rupture de stock, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Des beignes en rupture de stock. Mais regarde tous les gens qu'il y a dans la file. Regardez la file. Non, ça c'est abusé. Ça doit être bon alors. On espère qu'on va pas juste arriver devant et on va dire on a plus de beignes. Si ça arrive, bon, moi je suis rejoint plus. Bon, là je suis fatigué. Non, on va juste venir à l'ouverture, dès l'ouverture. Même si on vient à l'ouverture, c'est encore pire parce que tout le monde se dit. Tout le monde se dit. Tout le monde se dit, on va à l'ouverture. Mais au moins, c'est sûr qu'on en aura. Est-ce que tu comprends? Ça ferme dans 2 heures. S'ils n'en ont pas, bon, c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. Problème de gestion? S'ils n'ont plus d'aliments, comment ils vont faire des beignes? Prévoyons en avance le nombre de beignes nécessaires. Mais c'est ça. Même toi, tu vas dire, regarde, un truc de marketing, genre, plus c'est en retour de stock, okay. Plus les gens vont vouloir, ils vont dire, ah, c'est bon. C'est même toi qui m'as dit ça. Quand quelque chose est rare, Plus quelque chose est rare, plus tout le monde en veut. Donc si c'est en rupture de stock, plus il y en a qui en veulent. Par exemple, si tu as des vêtements et tu les sors, il n'y en a pas beaucoup en stock, et là ça part vite, et c'est en rupture de stock, les gens en voudront plus parce que c'est rare, tu vois. Donc c'est pareil avec ça. En vrai, ça marche vraiment parce que toi hier là, dès que j'ai vu que c'était en rupture de stock, qu'est-ce que j'ai dit? Donc ça doit vraiment être bon, ouais, ça doit être bon, on va revenir. Donc là, ouais, c'est vrai, mais ok, mais faut pas abuser non plus là. Ça fait mal ici. Les yeux? Il y a un œil au beurre noir, mais il ne s'est même pas battu. Il s'est réveillé, il avait ça. Parce que moi, je fais 6. On est mis deux là ? Ouais, on avance d'un pas. Un pas. En plus, à l'intérieur, on ne peut pas manger, les gars. Donc, tu rentres, t'achètes, tu sors. Mais attends. C'est fou ça, un petit magasin comme ça qui peut avoir autant de clients. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils sont forts. C'est du marketing. Je vais pas dire leur nom, sinon c'est de la pub gratuite pour eux. Ils ont pas besoin de pub. Ah, vous êtes bien haut. Donc si vous voulez la rêve d'ici, les gars, demandez-moi sur Instagram, je vais vous la donner. Je vais pas les dire comme ça là. Ils ont genre 200 personnes dans la file. On est bientôt là. Mais on n'est pas bientôt là, mais regardez ça. C'est là. Désolé les gars si la caméra est un peu bizarre parce que je filme comme elle est une piscine. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je me vois pas. Je me vois pas. Il y a deux façons que Bijou fait ses présentations à l'école. La première façon, c'est la façon sérieuse et gênée. Bonjour tout le monde. Si je vous parlais de la Troisième Guerre mondiale, il était très. Ça, c'est des bijoux gênés et tout là. Et c'est des bijoux. Comme content, extraverti, genre, tu vois, pas gêné. Bon, tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler. Ah, vous étiez comme ça? Déjà, j'ai le même titre dans toutes mes présentations orales. C'est faux. Même, je te dis. Je te dis que c'est pas comme ça. Si tu connais les. Bijou. Si tu le moins. L'audio. Non. Si j'ai raison. L'audio. Si j'ai raison. Attends. Tu me donnes. Tu m'as dit bête. Regarde. Non, je veux rien voir. Non, mais juste. Attends, je dis rien. Je te dis. Attends. Bijou. Regarde, je veux juste te montrer. On t'a filmé? Regarde, ouais. Avec les gars de ma team, hein. Ma team. Je suis né encore, je regarde par terre, je regarde personne. Mighty, tu vas me donner 10 beignes. Je te demande 10 beignes. Je veux dire quelque chose, ok? Il va se calmer. Il y a quelques jours là, tu devais faire un audio pour envoyer à ton prof, non? Présentation orale. Il avait 3 tons différents, bro. Il avait tout comme ça. Bonjour les. Ouais. Il avait 3 tons différents, bro. 3, 2, 1, dab. Fin dab. Tu crois que j'ai peur?
À moi. Non, non, arrête, 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 fais pas ça, fais plus jamais ça, s'il te plaît, bro. Never again, bro, si on sort, bro, on quitte la file, bro, plus jamais, ok? Never again, bro. Danny Ben. Non, 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 non. Toujours frais. Non, 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 dis pas le nom, les gars, je vous donne fresh, pas la ref. Désolé. Désolé, les gars, vous êtes méga. Vous êtes méga, mais je donne pas la ref, bro, parce que ils ont trop de clients ici, regardez derrière. On va goûter, et peut-être je vous donner la ref après, à la fin de la vidéo, jusqu'à la fin aussi. Abonnez-vous à la chaîne, les gars, on est sur le point de rentrer dedans. Ça va être ouf, ça va être intéressant, et puis. Ça va être bon. J'aime les meufs, hein. Mais. Il n'y a plus de Nutella. Comment c'est qu'il n'y a plus de Nutella? Quoi? Mais des beignets au Nutella en haut. Au chocolat. Chocolat, mais je pense que c'est Nutella. C'était à l'intérieur du Nutella. Oh, en soi, c'est pas fait sur le champ. Mais qu'est-ce qui est devant? Dans les beignets, ils sont là, ils ont choisi. Ouais? Ils sont là. On voit le prix. Ouais, vas-y. Hein? 28 dollars ou 11 dollars ou 13 dollars. On va aller avec 11 ou 13. Ok. Purée, celui-là. On va celui-là, bro. C'est qui en bas là? On va il a l'air balèze, hein. Le rose en bronze. Ou bas, ou bas. Non, Simsen. C'est Simsen? Ouais. Je pense qu'on va aimer ou pas bleu. On essaie quand même? On va vite faire. Ok, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Juste 4? Mais s'ils disent de prendre 6. Bon, on verra. Okay. On prend juste 4. 1, 2, 3, 4. Et ça aussi. Bouton le bleu. 5. Ok, 5. On va voir. Ok, 4. On commence avec les 4 là. C'est comment on peut prendre? C'est comme tu veux. Ah, c'est combien par bain? Ben pour les boîtes, c'est des prix fixes. C'est pour 12, c'est 28 et 50. Pour 6, c'est 15 et 50. Sinon, ils sont toujours chargés à l'unité. Ok, mais si on. Ah, l'unité. À l'unité, ouais. Ok, combien? Ok, 1 Oreo, 1 Simsen, 1 chocolat et 1. Et puis, ça c'est bon ou pas? Ouais, très bon, très bon. On goûte? Ok, ouais. Oh, j'ai envie de goûter l'unité là parce que je l'ai vu. C'est glacé. Mais il y en a plus. Et à l'intérieur, ouais. Et à l'intérieur, il y a l'unité là. Non, il n'y en a plus, dommage. Il n'y a plus de Nutella, bro. Autre chose? Non, c'est mieux de prendre un dernier, ainsi s'il n'y a pas de taxes, donc c'est comme une différence de 30 sous pour le dernier. Ah, okay. C'est pas nécessaire, okay. Mais c'est est-ce qu'il y a... le même prix. Ok, est-ce qu'il y a Nutella? Non, non, les Nutella sont finis. C'est fini? Ouais. Ok. On prend un Boston. On prend un Boston au chocolat. Cash ou carte? Oh, carte. Carte, ouais. Tu veux? Comme tu veux. Ok. Vous allez voir ma carte là. Ok, voilà. Merci, merci. Bonne journée. Bonne journée. Et vous aurez le lutter là, peut-être sur 20 minutes, il y aura. Ouais, wow, ouais, c'est juste maintenant, c'est la fin de la journée, donc il ne nous reste pas grand chose. Mais le lutter là, c'est là tous les jours. Tous les jours, ouais. C'est bon. Parfait, merci. On va bien rentrer le gâteau, hein. Les gars, regardez la file derrière nous. Allez, les gars. Allez, les gars, elle finit ici la file. Putain, mais ils sont rentables, hein. Putain, qu'ils sont rentables, hein! Waouh! Ça fait 2,70 pour 1. En plus, elle dit, il n'y a pas de taxe. Ils sont gros! Ils sont gros? Ouh! Tu peux reculer un peu, hein, si tu veux. Si tu veux avoir plus de place. Tu vas pas acheter de la limonade? Je vais aller voir dans le dépanneur, là. Je vais aller voir. Ou pas, ça va aller vite. Je vais aller voir. Je vois de mes yeux. Non, je vais aller vite. Et quelle autre limonade? Tu vas acheter ma limonade? Mais tu peux m'acheter un? Non? Mais pourquoi? Comment c'est déballé là? 4 dollars pour une limonade, c'est comme ton école. C'est ça, ouais, mais il y a des trucs 2 à 4 $50. Il n'y a pas ça ici. On va montrer chaque bain avant de les manger. Hein. Ouais. Mais vous pouvez voir tout ce qu'on a appris, en gros. On a appris, tu te rappelles des noms? Simsen, glacé au chocolat, Boston, bleuet, Oreo et glacé. Qu'est-ce? Tu te rappelles de tout? Achète-moi un aussi. Je ne vais pas acheter 2, bon, je ne vais pas dépenser 6 dollars pour une boisson. Bon. Bon, les gars, je reviens. Une question pour vous les abonnés. Comment on appelle les habitants du Québec?
Ils ont rien, bro. Hein? C'est genre un garage. Ils ont pas de boisson, rien. Oh, okay. C'est pas un dépanneur. Bon, les gars, on va commencer avec la dégustation de chaque beignet. Est-ce qu'on va tout manger au complet, vraiment? Non, ouais, on coupe un peu. Le premier. Coupe en deux et on coupe en deux, ouais. Sinon, ça va être trop sucré, bro. Regarde comment c'est fluffy comparé au Tim Hortons. Non, premier. Ça, c'est le... Glacé. Glacé. Normal, l'original. Attention, bye. Ma bi. Glacé. Glacé au... Glacé. Glacé original. Bon, 3, on y va. 2, 1. Viens la texture. Ouais, c'est mieux que Tim Hortons. Tim Hortons, c'est plus... Des fois, c'est dur. Celui-là, il est... Il est mou. Ouais. C'est bon. T'as bien fait de commencer par un bain qui est moins salissant. Le reste sont salissants. On n'a même pas pris le papier pour se nettoyer. Glacé au chocolat. Vas-y. Chez Moussibara, là, ça commence. Vas-y, quoi? Vas-y, quoi? Moussibara, ça commence. Essaye de couper plus petit aussi. Mm-hmm. Parce que t'as coupé tout à l'heure, c'était quand même assez gros. En vrai, c'est toi qui vas te salir le plus, pas moi. Yo, c'est mou, hein? Les gars, ça c'est un glacé au chocolat. D'ailleurs, le glaçage, j'aime plus celui du Tim Hortons. T'aimes plus celui du Tim Hortons qu'ici? Ouais. Ok. Parce qu'en vrai, le glaçage est vraiment fait de chocolat. Leur vrai chocolat. C'est bon, mais le Tim Hortons, j'aime plus. Mais ça aussi, c'est bon. C'est meilleur. Ça, c'est meilleur? Ouais. Mais en fait, c'est juste la recette qui est différente. Genre pour faire la pâte. La pâte, ouais. Mais bon. Bon, les gars, Ben Simpson, Homer Simpson. C'est vraiment Simpson ou ils l'ont juste appelé Simpson? C'est le Ben de Homer. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien ils l'ont juste appelé Simpson? Ils ont juste dit Simpson. Non, c'est ça. C'est vraiment comme ça? Ouais. Bon, les gars, on va manger les beignes de Simpson, Homer Simpson. J'ai toujours voulu manger ces beignes et puis on y va. Je comprends pourquoi il est gros. C'est sucré, c'est vraiment. C'est bon, mais c'est. Très sucré. Si tu manges un complet tout seul, là, et c'est pas de boire du coca après, un truc comme ça, c'est vraiment sucré. Oh, c'est sucré. Lui, il était bon parce que, genre, il était pas trop sucré. Le glacé? Glacé et le glacé au chocolat, ils étaient bons parce qu'ils étaient pas trop sucrés, mais lui, il est trop sucré. C'est ça. J'aime pas fini. Mais lui, le Oreo! Montre-leur. Le Oreo, ben, vous l'avez vu tout à l'heure là, mais regardez. Mais l'Oreo en soi, je pense que c'est le glacé au chocolat. Mais le glacé original là, juste avec le glaçage dessus et du Oreo. Non, il n'y a pas de glaçage. Non. Pourquoi? Oui, j'aime pas. T'aimes pas? T'as pas d'Oreo? Mais j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Regoute encore pour voir. Non. Ah! Hé! Goûte! Il est trop sucré. J'ai besoin d'eau, maman. Bon, d'aller des panneurs. Bon. On va quelque part, je dois acheter une boisson. Ils ont pas, c'est pas un dépanneur ici. On va aller quelque part pour acheter une boisson. Donc les gars, le Boston, il y en a plein. S'il y en a qui viennent de France, vous savez déjà que ça, là, on pense ça beaucoup quand on va au Tim Hortons, ok? Et à l'intérieur, il y a une espèce de pâte blanche là. Et puis là, il y a aussi là où on vient d'acheter les beignes là. Donc là, on va goûter ça. Ça s'appelle aussi Boston au chocolat. On va goûter la pâte, bro. Attends. Ouais, ok, ben mets ton doigt dedans pour goûter. Un doigt propre. Juste la pâte parce que. On a goûté le. Déjà, il est meilleur qu'au Tim Hortons, mais j'ai pas goûté la pâte. Si ça, c'est meilleur. Même goût. Non, on a dit en même temps. En soi, c'est juste la recette de la pâte qui est meilleure. Sinon, nos câbles, je pense que Tim Hortons gagne. Tim Hortons a plus de saveur. Non, ils ont plus de savoir que Tim Hortons. Non.
Eux, ils ont plus de savoir que Timothée. Timothée a plus de savoir que eux. Oh, j'espère que lui. Le dernier. Il sera bon, hein. Non, mais, le gars avait dit que c'est bon. Il faut aussi du glaçage. Il est là, le glaçage. Mais en bien, quand même. Ouh. Prends ta couleur. Matez la couleur, les gars. Moi, dans ma tête, ça allait être bleu. Parce que c'est un bleuet. T'as compris la blague? T'as compris la blague ou pas? Mais rien, non? En fait, non, ça ressemble à celui du Tim Hortons, mais à la fraise. Tim Hortons n'a pas de bleu. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dégueulasse. C'est ça que je pensais, parce qu'au Tim Hortons, ils ont un truc comme ça, avec la... Avec, est-ce que c'est du sucre, le Tim Hortons? Ouais. Ils ont du sucre autour, c'est blanc, et à l'intérieur, il y a un truc rose, là. Non. Rouge. Et c'est de la fraise. C'est pareil aussi. Bon, on y va, on va goûter ça. Tout à l'intérieur est pas bon. Mais il est un peu attirant à l'œil. Hein. Ouais, à l'œil, mais il est pas bon. De base, t'aimes pas les bleuets. Là, j'aime les bleuets. T'aimes? Ah. Pour moi, le magasin est très nice. Le magasin est cool en vrai. Et les emplois aussi sont nice. Mais les emplois sont cool. En gros, tu trouves que c'est trop sucré. Ouais. C'est bon, mais c'est trop sucré. C'est pas quelque chose que tu pourrais manger tous les jours, hein? Non, oui. C'est pas tous les jours qu'on mange aussi des beignes. Non, mais au Tim Hortons, on peut manger tous les jours, je comprends pas. Oh, mon classement. Son ici, premier, c'est ça? Et... Son premier, c'est le glacé. Deuxième, c'est au chocolat. Boston. Troisième, c'est le Boston. Quatrième, c'est le Simpson. C'est ouais. Ça? Non, oui. C'est ça. Quatrième, c'est le... C'est bleu. Quoi? Le bleuet. Ça, c'est... Cinquième, c'est Oreo. Sixième, oh non! Sixième, c'est Oreo. Cinquième, c'est Samsung. Ouais. C'est ça? Ouais. Moi? Ouais, à peu près pareil. Hein. À peu près pareil. Ils savent. Hey, c'est bon, tu vas mettre ton dos dedans là, tu vas tout lécher là, c'est bon là. En vrai, ils ont vraiment un bon marketing. Un bon marketing. Les gars, c'est partout sur TikTok. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de familles dans les files là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants. Les petits nés après 2010 là, qui ont vu ça. Papa, maman, je vais aller manger là-bas. Et là, les parents disent, ok, on va passer à... J'ai failli dire le nom. Eh non. Renverse pas tout. Je bois. Pas tout. Une bouteille d'eau, vous savez les mains. Donc là, maintenant, il y a les parents qui disent, ok, on va aller manger là-bas. Et là, ils vont là-bas, ils vont manger. Il y a plus de gens qui viennent et plus les fils sont longues, plus les gens qui passent devant, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, je vais aller manger là-bas. Ils prennent des photos. Et là, maintenant, ils vont revenir plus tard. C'est fucking dégueulasse. C'est dégueulasse. Pourquoi? Puis j'ai touché. Le reste des beignes là, qui peut les manger? Moi, à la maison. Ok. Si tu regardes la vidéo, t'es pas abonné, qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos sans être abonné. Bon, like, abonne-toi et puis sur une nouvelle vidéo.